Bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques malgré le confinement, bien évidemment. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine, j'irai sur les antennes du Journal du Golf, en tout cas sur le Facebook Live du Journal du Golf, où nous avons essayé une fois de plus de vous concocter un programme sympathique. En tout cas, vous allez pouvoir à la fois, nous espérons, apprendre des choses, passer un peu plus de temps, entre guillemets, sympathique chez vous, sans que ça soit en étant le moins éloigné possible du golf. Donc, on va essayer de faire de notre mieux encore cette semaine pour vous apporter un peu de bonheur chez vous. Nous attendons bien évidemment, comme vous, les nouvelles annonces du président de la République ce soir, en espérant de bonnes nouvelles. Mais malheureusement, nous ne nous attendons pas à quelque chose d'exceptionnel et on sait que nous restons d'avoir besoin de rester confinés encore un petit moment. Donc cette semaine, voilà le programme que nous vous proposons avec les équipes du Journal du Golf cette semaine. Toujours Lewis, Wallace, Rémi, Cyril Loguasigo et John Lawson. Lewis va recevoir beaucoup de joueurs professionnels de renom qui vont pouvoir vous transmettre un peu leur expérience, la manière de jouer, comment ils vivent le confinement. Donc ça va être génial. Rémi, bien évidemment, aussi toujours avec pas mal de questions, réponses cette semaine, des tips au putting. Il va recevoir aussi des joueurs exceptionnels, Clément Sordet, Johanna Clatten. Donc je pense que ça va être extrêmement intéressant. Et cet après-midi, avec un sujet sur Action Type qui est, je dirais, la manière de bouger de chacun qui va vous permettre d'adapter votre swing à vos caractéristiques physiques. Donc encore une semaine sympathique. Pour ma part, on fera aujourd'hui, on va faire quelque chose, j'espère qu'il va vous plaire, mais qui moi me passionne. Je suis ravi qu'on parle aujourd'hui de statistiques. Et le reste de la semaine, on va faire pas mal de petits jeux. Et je pense aussi que ça sera extrêmement intéressant. J'ai la chance, je me répète, d'habiter à 150 mètres de mon lieu de travail, donc en respectant complètement tout ce que le gouvernement nous impose. Nous respectons la règle ici au golf du Vaudreuil le confinement, mais comme j'ai la chance d'être à 150 mètres d'un green, j'espère vous donner un peu de bonheur en étant sur ce green et tout, je me répète, tout en respectant toutes les règles qui nous sont demandées. Donc avec moi, vous ferez pas mal cette semaine de petits jeux. Donc n'hésitez pas si vous avez déjà des questions à nous les envoyer au Journal du Golf. Guillaume, tout est blanc, t'es tout blanc, ça va? Oui, je sais. Alors j'ai essayé de faire quelque chose derrière, un peu artistique, donc j'ai l'impression d'être tout blanc, mais je vous garantis que ça va plutôt pas mal, et au contraire, comme il fait beau, je suis plutôt pour une fois bronzé. Donc non, c'est juste les caméras et l'écran qui paraissent ce teint un peu blanc fatigué, mais tout va bien. Dernière chose, donc voilà, et cette semaine avec moi, petit jeu, et juste un petit teaser pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous ferai une petite série, du lundi au vendredi, où on détaillera de manière précise, mais sans que ça soit compliqué, le grand jeu. On passera lundi, grip posture, mardi, démarrage, backswing, mercredi, ce qu'on appelle la transition et la descente, jeudi l'impact et le finish, et vendredi une question-réponse sur le swing en général. Donc j'espère que ça va vous intéresser et que vous serez présents. Donc préparez aussi vos questions cette semaine avec moi, petit jeu, la semaine prochaine, mini-série sur le grand jeu. Allez, on s'attaque à notre séance du jour qui, pour moi, va être passionnante. Aujourd'hui, tous les meilleurs joueurs et joueuses du monde font leurs statistiques. Les statistiques qui sont le meilleur moyen aujourd'hui d'avoir une vision objective de votre jeu. Comme les outils technologiques pour votre swing, le Trackman ou ce genre d'outils, ça nous dit exactement ce qui se passe. Les stats, c'est absolument extraordinaire. Ça vous dit exactement ce qui se passe dans votre jeu, je me répète, de manière objective. En mettant de côté vos émotions, vos sensations, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les points forts, quels sont les points faibles de votre jeu? Et avec les statistiques, rien de mieux, pardon, que d'avoir ces statistiques pour vous permettre, je dirais, de bien préparer vos entraînements et de vous entraîner là où les points pêchent. Et aujourd'hui, avec nous, on a la personne la plus compétente en France, le spécialiste des data, Cédric. Bonjour Cédric, qui est avec nous. Cédric Denis, Bonjour, Guillaume. qui est, comme vous l'avez vu, la personne qui a créé un logiciel qui s'appelle Spider Golf, qui est spécialisé dans les statistiques de manière simple mais extrêmement précise. Et je suis ravi qu'il soit avec nous parce qu'il va pouvoir vous expliquer en détail pourquoi les statistiques sont importantes pour vous, pour tout le monde, mais pour vous aussi, quel que soit votre niveau. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume, merci. Merci beaucoup de me recevoir, c'est très gentil. Alors, je ne sais pas si je suis la personne la plus calée en France, c'est très gentil de le dire, mais en tout cas, je suis passionné et c'est vrai que j'ai passé ces 2, 3 dernières années à me concentrer dessus. Cette passion est devenue un engouement et je suis très content de pouvoir, grâce à Spider Golf, mettre ça sur le marché tricolore et essayer d'aider nos Français. Donc, première chose, est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter, nous expliquer d'où tu viens et je dirais dans la continuité de ça, pourquoi Spider Golf?
Ouais. Alors du début, j'ai fait mes classes amateurs au Racing Club de France et ensuite j'ai fait un cursus américain dans une université où j'ai joué au sein de l'équipe. Et après, je suis revenu en France pour poursuivre une de mes passions qui était le coaching. Et là, je suis coach de golf au golf de Fourqueux où j'ai des élèves à peu près de tout niveau, du débutant jusqu'au joueur du tour. Et je me suis spécialisé dans la performance et le data consulting. Donc j'analyse leur data, je mets des exercices en programmation, les entraînements ciblés, et ça me permet de suivre mes élèves comme ça. Et j'ai fait ça grâce à Spider Golf que j'ai développé en 2017. Je l'ai présenté au PGA Show en 2018 à Orlando et ça a eu un franc succès. Donc ça m'a motivé à continuer. Et donc me voilà aujourd'hui avec Spider Golf et Spider Putt, deux applis qui vont gérer la performance et les statistiques pour aider à améliorer le golfeur. Pourquoi est-ce que moi je trouve ça extrêmement pertinent et pourquoi je l'utilise, je dirais, de manière quotidienne avec n'importe quel niveau? C'est qu'aujourd'hui, et pour, je dirais, débuter cette interview, cet entretien, ce Facebook Live, on appelle ça un petit peu comme on veut, les golfeurs, beaucoup de golfeurs s'entraînent, se donnent du mal pour progresser et ne progressent pas. Et une des raisons, selon moi, est que les gens, malheureusement, s'entraînent là où ils aiment s'entraîner et pas forcément sur les points qui vont leur permettre d'être plus performants. Je donne un exemple très rapide et bien évidemment, Cédric, tu m'arrêtes à tout moment, mais on parle d'un golfeur, allez, entre 15 et 20 d'index, qui joue déjà très bien, qui s'amuse sur le parcours, qui joue avec ses amis et il a fait une partie et toute la journée, il a fait des drives un petit peu moyens, qui peut taper, on va dire, du talon, qui n'était pas très agréable, légèrement fade, qui sont venus se mettre sur la partie droite du fairway, première coupe de rough, un peu plus court que ses amis. Et derrière, il a tapé des coups de fer magnifiques, mais qui ont dépassé les greens à chaque fois. Et probablement qu'à la fin de la journée, cet élève va se dire, waouh, ok, wow, le drive, c'était pas terrible aujourd'hui, j'étais plus court que mes potes, c'était pas terrible, allez, je vais taper des drives. Tandis qu'avec je dirais, une vision claire des statistiques, il va se rendre compte que ce qui lui a fait perdre des points sur cette partie-là n'est pas le drive, mais au contraire les coups de fer, parce qu'il ne maîtrise pas ses profondeurs, il ne connaît peut-être pas ses profondeurs, et qu'avec l'utilisation d'un outil statistique comme le tien, il va tout de suite se dire, waouh, avec le grand jeu, pardon, avec les coups de fer des attaques de green, j'ai perdu beaucoup plus de points qu'avec le drive, si même moi, dans ma sensation, c'était beaucoup plus le drive qui a pêché. Donc je pense que ça permet d'avoir, à tout niveau, j'insiste là-dessus, ce n'est pas uniquement pour les professionnels, à tout niveau, ça permet d'avoir, je dirais, une vision super claire et super objectif, pardon, de où les points sont perdus. Et ce qui est absolument génial, c'est que dès l'instant où on le sait, on peut adapter son entraînement. Genre, je ne sais pas, Cédric, si je résume bien ou pas, mais en tout cas, moi, c'est la sensation C'est que j'ai eue. exactement ça. C'est exactement ça. Tu l'as très bien résumé. C'est vrai qu'il y a plusieurs utilisations, plusieurs bénéfices, et pour plusieurs publics en fait. Si on se concentre sur le joueur, la première chose, c'est évaluer et mesurer. Il a besoin de mesurer son jeu, et pour le mesurer correctement, il faut mesurer tous les compartiments du jeu. Aujourd'hui, lorsqu'on a une carte de score, le seul score qu'on a, c'est le score final. Mais on sait très bien qu'il y a de nombreuses manières de faire un score. Mais par contre, s'il a la possibilité de pouvoir segmenter justement ce score, parce que les compartiments sont différents, on a le putting, on a les approches, on a les coups de fer, on a la mise en jeu, et la technique est différente, l'entraînement est différent, et la stratégie aussi est différente. Donc tout ça va demander une connaissance un petit peu plus poussée des points forts et des points faibles pour orienter l'entraînement, comme Guillaume vient de vous le dire. Ensuite, il y a la comparaison. La comparaison, c'est il a besoin de se comparer soit aux 10 derniers tours qu'il a fait, soit à une saison d'avant, donc à lui-même, ou alors comparer à autrui. Ça peut être un âge, ça peut être un groupe d'handicap, ça peut être une référence comme le Strokes Gained, on en parlera tout à l'heure, la référence du tour. Donc un moyen de comparaison pour se situer et savoir où il en est dans sa progression. Le sport, le golf est un sport de long terme. On sait très bien qu'il va y avoir des hauts et des bas, mais il faut rester concentré sur une vision un petit peu plus longue pour avoir une progression plus fiable, on va dire. Et c'est vrai que les émotions, comme Guillaume vous l'a dit, peuvent interférer dans ces entraînements et dans la motivation. Et ça, c'est mon prochain point, la motivation, c'est que un joueur de golf aujourd'hui, il est investi dans le long terme, il voit pas toujours les progrès arriver aussi vite qu'il le souhaite. Et donc, avoir justement des objectifs clairs d'entraînement et de réalisation grâce à l'analyse des stats va lui permettre de mettre en place quelque chose qu'il pourra atteindre. Et donc, le fait de l'atteindre, entretenir une motivation et continuer à s'entraîner dans la bonne direction. Oui, bien sûr, Donc, tout ça, à ce fait. serait pour le joueur. Maintenant, Guillaume, dis-moi si je me trompe, pour le coach, en ce qui nous concerne, c'est vraiment suivre les élèves,
autrement et autre part que sur le tapis de practice. Lorsqu'ils arrivent et lorsqu'on les a en face de nous, on maîtrise l'environnement, donc on sait ce qui se passe. Tu le fais très bien avec TrackMan, avec Gears et avec tous tes outils technologiques que je fais également. Et donc ça, de ce côté-là, on y arrive. Mais par contre, dès qu'ils sortent du tapis et entre les leçons, on ne sait pas vraiment comment ils s'entraînent, on ne sait pas vraiment comment ils jouent sur le parcours en entraînement et donc du coup la corrélation avec le jeu en compétition. Et tout ça, donner la possibilité au coach de pouvoir suivre les entraînements, de pouvoir suivre les exercices personnalisés et tout ce qu'il peut faire sur le parcours, bah, va le rendre beaucoup plus intelligent et beaucoup plus pertinent lors de ses prochaines séances. Donc un joueur plus intelligent parce qu'il connaît son jeu, un coach plus intelligent parce qu'il connaît son joueur, c'est pour moi une adéquation, c'est indissociable et ça va vraiment avec la performance. Mais il faut que ça reste fun. Personne veut remplir une feuille de stats pendant une demi-heure le soir. Il faut que ce soit fun et ludique. Mais si ça le reste, ça peut être une grosse plus-value pour le jeu de golf. Bien sûr. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste répondre, enfin répondre, juste dire par rapport à ce que tu viens de dire, je suis complètement d'accord avec ça, à savoir que les gens qui viennent nous voir en leçon, mais même, je dirais même les gens qui prennent pas forcément de leçon, s'ils viennent jouer au golf, c'est pour mieux jouer au golf. Et pour mieux jouer au golf, c'est important de savoir ce qu'on fait bien, de pas bien, pour s'entraîner en fonction de ça. Donc moi, je préfère à la limite, il y a des gens qui vont faire des bons, mais que les gens, et on en parlera un petit peu plus tard dans la séance, parce que c'est d'une aide, ton outil est d'une aide incroyable pour un prix qui est, à mon avis, minime. Je préfère que les gens prennent une leçon de moins par an, prennent Spider Golf pour qu'on puisse faire du bon boulot. On ne peut pas, on a du mal tous, moi le premier, à être objectif sur ce qu'on fait sur le parcours. Moi, quand j'ai utilisé ce logiciel, je me suis dit, waouh, c'est là où sont mes fautes. Et après réflexion, je me suis dit, bien évidemment. Donc, de savoir ce qu'on fait pour ensuite pouvoir s'entraîner en fonction des problématiques, il n'y a rien de mieux. Allez, on va directement dans le vif du sujet. Je sens que les gens sont un peu excités de savoir ce qu'il en est. Donc, notre objectif aujourd'hui, que tu présentes ton produit, pas vraiment pour que tu présentes ton produit, juste pour que ça nous montre quel est l'intérêt de l'avoir et quelles stats sont proposées. Après, on vous fera juste un petit lexique sur ce qu'est le stroke gain d'une manière générale. Et à partir de là, je pense que tu as quelques exemples qui sont hyper intéressants, notamment Paul Barjon, ce genre de joueurs, qui vont vraiment permettre aux joueurs, en tout cas aux gens qui nous écoutent, de voir quel est l'intérêt des stats. Juste une petite chose, petite question à vous poser, vous qui nous regardez. Est-ce que vous pouvez nous mettre si vous faites vos stats ou pas? Juste un oui si vous les faites, non si vous ne les faites pas. Juste pour voir ce qu'il en est. Juste une petite question, Cédric, très rapidement de Arnaud. Oui. Landais, Spider Golf uniquement sur Apple. Exactement. Disponible sur Android pour l'instant, disponible sur App Store pour l'instant, lapsus révélateur, mais en développement sur Android. Donc ce sera bientôt disponible et j'informerai tout le monde lorsque ce sera le cas. Allez, une dernière petite question, parce qu'on est là quand même pour répondre aux questions de nos auditeurs. Je pense qu'on. Donc là, on a plein de gens qui nous disent top produit, super produit. Merci. Xavier Dufossé, alors j'ai demandé aux gens qui faisaient les stats, Xavier Dufossé, oui, ex-Spider, Mathieu Bay, non, 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 on a des oui, on a des non, oui sur Excel, on espère vous réussir à vous faire switcher, pas forcément pour acheter Spider, on n'est pas du tout là, j'insiste, en tout cas je suis pas là pour Spider, même si je sais que c'est extrêmement utile, c'est pour vous faire comprendre l'intérêt des stats. Donc on a pas mal de gens qui utilisent Spider, quelqu'un qui nous pose une question, est-ce que le mental joue sur les stats, que ça soit le mental, que ça soit la Bien technique? sûr. Bien sûr que tout joue sur les stats, mais ce qui est Bien extrêmement sûr. intéressant, je ne sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui. On pourrait avoir 5 ou 6 lives avec Cédric, ce qui sera peut-être le cas. Mais Cédric a la capacité, grâce à Spider et grâce à ses capacités, on en parlera aussi tout à l'heure de data consultant, de vous dire si vous avez des problèmes, si vous avez certains problèmes mentaux quant à la réaction sur le parcours. Allez Cédric, je te laisse la parole pendant quelques minutes. Présente-nous ton Ça outil et marche. surtout explique-nous quel est l'intérêt aujourd'hui de l'avoir à tous les niveaux. Ça marche. Je voulais rebondir sur la remarque très intéressante et très pertinente sur le mental pour mettre un petit peu en place l'importance des stats dans la performance, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi au sein de l'écosystème. Le coach technique va être connecté aux stats, on l'a expliqué. Le coach mental va être connecté aux stats, à savoir mais comment je vais faire mon prochain drive quand j'ai raté un petit putt, est-ce que j'arrive à gérer la pression sur les 3 derniers trous, plein de facteurs qu'on peut analyser grâce à Spider ou d'autres produits bien sûr, et qui vont aider le prépa mental. Le prépa physique aussi, est-ce qu'il a la puissance nécessaire pour aller au prochain level, ou alors est-ce qu'il tient justement dans la continuité, est-ce qu'il a suffisamment d'énergie sur le parcours, ou est-ce qu'il flanche un petit peu sur le retour, plein de choses comme ça. Donc tout l'écosystème, et j'irais même le club fitter, qui, grâce à la dispersion des cibles, va savoir où sont placés les clubs, la qualité d'impact, et va savoir si les clubs du sac sont à changer ou pas. Donc,
Les data, quand je dis les data, c'est plutôt les chiffres vont être la base et le centre de l'écosystème qui va tourner autour de la performance. Donc oui, que ce soit le mental comme les autres aspects que je viens de démontrer, les stats sont importantes. Et C'était je une petite rebondis parce parenthèse. qu'on, Et donc, je t'en prie. excuse-moi de te couper, parce qu'on a eu une remarque très intéressante d'Alexandre Dunco, très bon Bien sûr. fitter, du côté, alors, je ne veux pas me tromper, Pays Bien Basque sûr. ou les Landes, je ne sais pas exactement, mais très bon fitter, qui dit très important aussi les stats pour le fitting. Exactement, exactement. Bonne réflexion. Allez, on te Alors, laisse ce que je vais présenter le faire, c'est je vais sujet. vous On a présenter plein de l'application. très bonnes questions. Y a-t-il une priorité dans les stats à regarder en fonction du niveau? As-tu remarqué des corrélations en fonction des index, des sexes? J'insiste, aujourd'hui, super question de Laurent Poncelet, hein, en l'occurrence. Cédric va vous montrer ce que ça fait, va déjà vous donner des tips très intéressants. On pourrait en parler des heures. Et si vous sentez que le sujet est pertinent pour nous, à la fin du live, n'hésitez pas à nous le dire s'il y a des questions particulières qui vous intéressent. Et on continuera parce que là, je vous garantis qu'en 1 heure ou 1 heure et quart, on n'aura pas le temps de tout. Exactement, exactement, et ça nous donnera l'occasion de le refaire. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'appli. Donc, l'appli est disponible sur App Store, iPhone, iPad. Elle est gratuite dans sa version de base, et ensuite, il y a l'option, bien évidemment, d'acheter un contenu premium pour aller un petit peu plus loin, que ce soit dans l'analyse du parcours, dans l'entraînement ou dans le partage des données. Donc là, normalement, vous devriez voir mon écran de téléphone. Est-ce que c'est le cas, Guillaume? Absolument le cas. Je vais m'effacer pendant quelques instants, comme ça les gens auront plus d'espace entre toi et eux. Parfait. Donc, avec cette option gratuite, la partie flash que j'appelle, c'est la partie chrono, elle va le plus vite possible. J'ai décidé, ou du moins j'ai essayé d'être la plus rapide du marché. C'est-à-dire, on clique sur le bouton, il y a le GPS qui localise le parcours, on a 39 000 cartes de score dans la base de données, elle se download automatiquement, donc vous n'avez rien besoin de faire. Les tips par rapport à votre niveau de jeu, si vous avez fait une compétition ou pas, et les options au niveau des conditions météo. Ensuite, tout ce que vous avez besoin de faire, vous indiquez le score, le nombre de putts et si votre mise en jeu était sur le fairway, rough de gauche ou rough de droite. Un swipe et vous allez sur le trou d'après. C'est très rapide, ça va presque plus, c'est presque plus rapide que de prendre la carte de score et de noter, mais quoi qu'il arrive, j'ai décidé de le faire très simplement. Vous avez la possibilité de ramasser votre balle, vous avez la possibilité de sauter les trous, vous avez la possibilité de jouer autant de trous que vous voulez. Quoi qu'il arrive, Spider calcule les statistiques. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez jeter un coup d'œil sur votre carte de score et lorsque vous validez, vous allez tout de suite dans l'analyse. L'analyse qui, elle, est compartimentée, elle est segmentée, donc la mise en jeu, les attaques de green et le putting. Vous avez des datas intéressantes, jusqu'à 65 stats pour cette partie rapide. Ça vous donne déjà suffisamment d'infos. Très bien pour les gens qui commencent et qui veulent se familiariser avec les statistiques, que ce soit des plus jeunes comme aux plus vieux. Et ces infos peuvent être partagées également gratuitement via un email personnalisé qui va donner toutes les informations de votre parcours à votre coach ou à vos amis. Donc ça, c'est Absolument, la première version. absolument génial. Merci. Donc la première version simple, gratuite, pas de publicité et elle restera gratuite tout le temps. Important de le noter. Maintenant, lorsqu'on va aller dans le contenu premium, pour les golfeurs un petit peu plus avertis ou ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, c'est là où on va creuser un peu plus, même beaucoup plus, parce qu'on va passer de 60 stats à 400 stats. Mais je ne vais pas vous faire peur, parce qu'elles sont classées, vous les voyez pas, vous voyez seulement ce qui est intéressant pour vous. Donc, vous avez des options. Les options en plus, vous avez le pourcentage de pente latérale, et vous avez aussi la lecture de green. Et lorsque je commence, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est indiquer le club que vous allez jouer, et vous utilisez votre doigt pour placer le point là où la balle est arrivée en rapport avec votre objectif. C'est-à-dire le centre du cercle, c'est là où vous voulez que la balle s'arrête. Elle était courte, elle était à gauche, elle était à droite, ou inversement, et elle était longue. Je vais ensuite valider avec la qualité de l'impact. Bien touché. Je suis sur le fairway, je suis à 150 mètres, j'ai pris un fair 8, je l'ai poussé un petit peu, je suis quand même arrivé sur le green. Et là, sur le green, j'ai la possibilité de mettre le pourcentage de pente latérale gauche-droite et droite-gauche. Si jamais je rate mon putt, je mets la dispersion, je mets ensuite suivant. Et si jamais j'ai mal lu le putt, la balle n'a pas fait ce que j'avais anticipé, j'active le mal lu qui va justement calculer la lecture de green et rentrer. Ça prend à peu près 30 à 40 secondes lorsqu'on se familiarise avec l'appli. On peut le faire entre les trous, comme ça ne gêne pas la routine. Ou alors, si vous avez besoin de le faire après le parcours, vous prenez moins de 10 minutes. C'est très fun, c'est très rapide. Et une fois que vous avez pris l'habitude, vous le sentez même plus. Donc, grâce à ça,
Excuse-moi, Guillaume, je t'en prie. Non, non, vas-y, vas-y, mais moins de 10 minutes, j'insiste là-dessus. C'est rien. Pour avoir une analyse et savoir exactement ce qui s'est passé, je trouve que moins de 10 minutes, c'est quelque chose de formidable. Donc j'insiste sur cette rapidité que ça. Je te laisse continuer. Exactement, étant joueur moi-même, et c'est sûr que pour mes joueurs, en tant que coach, je voulais essayer de faire la chose la plus rapide, la moins intrusive possible, pour garder justement ce côté fun et ne pas gêner le joueur, soit dans le jeu, soit après, parce qu'il sentait que c'était, encore une fois, une Excel sheet à remplir les stats pendant 1 heure le soir. Plus personne n'a envie de le faire. Alors, pour maintenant, pour l'analyse, qu'est-ce qu'on a? On a une toile de performance des clubs. Plus la toile est remplie, mieux c'est. Là, par exemple, ce sont mes parties. On voit que j'ai un petit problème avec le fer 5. J'ai un algorithme, une sorte de petite intelligence artificielle, si on peut l'appeler comme ça, qui va justement déterminer les clubs que j'ai besoin de travailler. J'aurai l'occasion d'aller sur le Spider Practice tout à l'heure, je vous le montrerai. Mais sinon, si je vais à l'intérieur de mes clubs, là, j'ai la dispersion de chaque club, les bleus les bien touchés, les gris les mal touchés, donc par club et par lie. Et le rouge, le point Donc ça me rouge? permet déjà d'avoir Le point rouge, le c'est point quoi? rouge, c'est la moyenne de tous les points. Donc là, on sait que j'ai une tendance à gauche et court. Donc c'est rapide et c'est constructif. Je pourrais m'adapter lorsque je serai dans le jeu. Maintenant, j'ai également mon Spider Coach qui lui va me donner un classement par compartiment, un classement de strokes gained. Donc mon meilleur compartiment aujourd'hui, c'est le putting et le pire, c'est le driving. Effectivement, je perds 0,5 coups sur le reste du champ sur mon driving. J'ai besoin de taper la balle un petit peu plus fort. Et j'ai besoin aussi d'être un petit peu plus droit. Les attaques de green sont plutôt pas mal. Donc, je peux très simplement, via cette interface, regarder et trouver des informations importantes sur mon jeu de golf. Là où vous allez avoir. Je t'en prie. Et sur ce que je trouve intéressant en plus là, c'est que c'est simple et c'est surtout visuel. Moi, ce qui m'a toujours fait peur pendant des années, pourquoi est-ce que les stats paraissaient compliquées, c'est que le côté visuel n'était pas présent. Là, on voit très bien dans ce que tu nous montres que c'est simple. Le 1, c'est le putting, ça va bien. Le 5, c'est le driving, ça va pas. Donc, c'est extrêmement simple aujourd'hui de voir où on en est et c'est surtout visuel. C'est-à-dire, j'insiste là-dessus. Je me répète. Quand on a, comme tu le dis, une feuille Excel, on voit rien. Là, on est dans le jeu, on voit ce qui se passe. Donc, je trouve ça intéressant. Deux petites questions, Cédric, pendant qu'on y est. Une question de Oui. Arnold Cara qui nous demande si ce que tu nous montres là est la version de base ou la version premium. Alors, la première version que je vous ai montrée, c'était la version de base. Ce sont les parties rapides. Là, je suis rentré dans les parties full, les parties complètes. Et D'accord. donc, Est-ce ça que fait partie du premium. on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que je sais qu'on va avoir cette question. Combien ça coûte? Yes. 60 euros. Par mois. 60 euros par an. 5 euros par mois. C'est ça. D'accord. Allez. Donc on a balayé ce sujet qui est donc selon moi pas très cher. Bien évidemment que c'est toujours de l'argent, 60 euros évidemment et encore plus par les temps qui courent. Mais pour adapter son entraînement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Une autre question qui me paraît intéressante à mettre en avant de la part de Xavier Dufossé. Les données sont stockées sur l'appareil ou sur le terminal, changement de téléphone, utilisation multi-appareil. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Parce que je trouve aussi pour l'utiliser beaucoup que c'est très intéressant et qu'on peut l'utiliser quasiment partout. Oui, alors les données sont stockées dans l'appareil. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de l'utiliser en mode avion. Pourquoi j'ai voulu et j'ai insisté sur ce mode avion? Parce qu'en tant que coach, lorsque mes élèves sont en train de prendre le téléphone, et je sais qu'ils sont en train de le prendre avec Spider, et ils sont pas en train d'écrire des messages ou de chatter, et ils sont complètement concentrés dessus. Pareil, lorsque vous êtes sur un parcours où il n'y a malheureusement pas de Wi-Fi, ça peut encore arriver. Si vous avez downloadé le parcours avant, vous pouvez utiliser Spider. Et le fait de l'utiliser en mode avion, même en mode normal, ça va prendre entre 3 et 7% de votre batterie. Donc ça tient très bien. Tiger Kawhead qui nous dit 60 euros par an, c'est carrément accessible. On est d'accord. Exactement, exactement. Le coup, C'était mon c'est but. une Je voulais que pro. ce soit accessible à tous. On a deux personnes qui nous disent le coup, c'est une pro V1 par mois. C'est ça. C'est ça. Allez, on revient sur effectivement la démonstration qui est, comme vous le constatez, c'est ce que j'aime moi
dans ce logiciel-là, c'est que c'est hyper ludique. Est-ce que tu peux nous donner des exemples maintenant concrets pour les gens qui nous regardent, de prendre un joueur pro, un joueur amateur? Et juste avant ça, excuse-moi, je te coupe. Tout à l'heure, tu nous Bien as sûr. montré et tu nous as parlé du stroke gain. Est-ce que tu peux nous faire Oui. un petit lexique du stroke gain et de vulgariser un petit peu ce qu'est le stroke gain? Parce que bien évidemment, les gens Bien sûr. voient ça le dimanche soir sur Golf Plus. Stroke gain, qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Je vais essayer de simplifier au maximum. Strokes gained, c'est un calcul, c'est un algorithme qui a été créé par le statisticien américain Mark Brody en 2011 et il l'a intégré au putting d'abord, en analysant tous les joueurs du PGA Tour. Donc, il s'est focalisé sur le PGA Tour. Et plus tard, dans les années plus tard, il l'a développé sur tout le grand jeu. Donc, en fait, c'est une mesure et une comparaison par rapport à une référence à un moment T. Donc, ça veut dire que vous allez avoir deux chiffres, un chiffre positif ou négatif. Si ce chiffre est positif, ça veut dire que vous gagnez des points par rapport à cette référence, par rapport à cette moyenne. Si votre chiffre est négatif, ça veut dire que vous perdez des points par rapport à cette moyenne. Je vous fais un exemple concret. Voilà, très bien. Vous avez joué 69 et la moyenne du jour des personnes qui ont joué avec vous, La moyenne du c'était champ, 72. on va appeler ça la moyenne du champ, c'est-à-dire la moyenne du... Très bien. La moyenne du champ, 72. Ça veut dire que votre strokes gain total au niveau du score est à plus 3. Parce que vous avez gagné les 3 points. Maintenant, étant donné qu'il l'a fait sur tous les coups de golf, vous avez la possibilité de mesurer la productivité sur chaque coup et chaque lie. Donc, ça veut dire, un autre exemple sur le green, on sait que la probabilité de rentrer un putt à 3 mètres, chez un joueur du tour, c'est 50%. Mais si ce putt-là à 3 mètres, vous le rentrez, vous avez gagné 0,5 points sur le champ. Et donc, vous êtes plus 0,5 au putting. Donc, vous pouvez le faire par compartiment. Vous pouvez le faire par coup, vous pouvez le faire par tour, par tournoi, par saison, et vous avez votre strokes gain. Donc, quand on entend que Tiger Woods a eu un strokes gain d'approche vers le green de plus 1,575, eh bien, il a gagné 1,575 avec la productivité de tous ces coups qui ont été générés dans ce secteur approche vers le green par rapport au champ de joueur. Donc pour résumer, même si tu as très bien résumé, c'est on compare la production d'un coup par rapport aux autres à ce moment-là. C'est exactement ça. Combien est-ce La que j'ai gagné distance. par rapport aux gens? Par exemple, on va parler d'un tournoi du PGA Tour où il y a 156 joueurs. Par rapport à ces 156 joueurs, est-ce que je suis, par rapport à la moyenne, plus ou moins efficace par rapport à eux? Exactement. Le moyen de référence aujourd'hui, le plus poussé grâce à l'algorithme qu'il a mis en place. Tout à fait. Tout à fait. Ben, justement, par rapport à ça, je fais la transition par rapport à tu parlais de Paul Barjon tout à l'heure. Un joueur qui évolue, un joueur que vous connaissez sûrement, un joueur tricolore qui évolue sur le Mackenzie Tour. Il est d'ailleurs en tête en ce moment du Money Leader. Il performe magnifiquement bien. Il travaille excellemment bien avec son coach John Sinclair aux États-Unis. Ils utilisent Spider maintenant depuis plus d'un an, je crois, avec sa transition entre le Tour canadien et le Mackenzie. Donc le Mackenzie qui est le Challenge Tour, en gros, du Tour européen, qui serait le rapport entre Mackenzie et PGA Tour. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais vous faire une petite démonstration où vous montrer, parce que je vais me connecter sur ma communauté, je suis connecté avec lui, un de mes amis. Donc là, je rentre dans ma communauté et j'ai la liste de mes amis. Donc si je vais chercher Paul, je rentre dans son application et de mon Excuse-moi, Cédric, application, j'ai accès à toutes ces datas. Oui, excuse-moi, je t'en prie. je vais te couper une ou deux fois parce que par rapport à ce que tu... Est-ce que tu peux revenir sur l'écran juste avant, s'il te plaît? Et je vais juste Oui. répondre à Stéphane Chardon qui Bien sûr. posait une question intéressante pour les enseignants et de dire, y a-t-il une version pour les enseignants? Alors, je vais me permettre de répondre, Cédric, bien évidemment, tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord. Il n'y a pas de Je version t'en prie. véritablement enseignant, mais là, tu vois... Cédric, alors il doit en avoir quelques-uns, mais à tous les, on pourrait dire tous ses élèves, en tout cas tous les gens qu'il peut suivre, et grâce à ça, il peut se permettre d'aller chercher chaque élève, et alors on le fera lors d'un autre live, parce que vous voyez bien qu'il y a plein de choses, mais il a même créé une application qui permet de mettre tous les joueurs, de comparer les joueurs les uns aux autres, donc bien évidemment, il y a une version pour les professionnels, mais je vous propose qu'on en parle une autre fois. Exactement, exactement. Donc oui, il y a effectivement une version pour les enseignants, on pourra en parler un petit peu plus tard. Je reviens sur Paul. Donc là, je rentre dans son application et si je fais par exemple l'analyse de ses 20 dernières parties, qui va être l'analyse de sa saison. Donc là, je fais ça et je vais avoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, sa toile de performance. Et donc là, je peux voir déjà deux choses dans sa toile de performance. Au niveau du driving,
il y a un petit hiccup. Et au niveau du gap wedge, donc le GW, il y a aussi un petit hiccup. Lorsque je rentre dedans, je vois qu'il y a pas mal de coups qui sont mal touchés. Avec le cap wedge, c'est étonnant à son niveau de jeu. Et il a une dispersion verticale de 4,60 m. Là aussi, je pense qu'il pourrait être plus performant par rapport à la moyenne du tour. Bien évidemment, je vais le comparer au tour avec son niveau. Ensuite, lorsque je regarde dans ses compartiments, son meilleur compartiment, c'est le driving. Même si j'avais vu donc un petit hiccup sur sa toile, je rends compte qu'il ne perd pas de points sur son driving. Bien au contraire, il en gagne un point. Donc, un compartiment performant, je ne vais pas le toucher. Par contre, au niveau du putting, c'est là où il en perd et il perd 0,394 points par rapport au reste du champ. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi. Et donc, je retourne sur ma toile de performance et là, en regardant le putting, on va s'apercevoir que tous les points gris, ce sont les points, les balles mal lues et les points bleus, bien. Là, on s'aperçoit qu'il y a énormément de points gris. À son niveau de performance, ça va être un frein. Pourquoi? Parce que toutes les mal lues n'ont quasiment aucune chance de rentrer, ou presque. Donc, si je vais regarder, je vais le détailler maintenant par distance. Et regardez, 2 à 3 mètres, je suis à 44% de lecture, en bas à droite. 3 à 4 mètres, je suis à 42% de lecture. Moins de la moitié des putts qu'il va faire entre 3 et 4 mètres sont mal lus. Donc, presque pas de chance de rentrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux m'arrêter là, même si je voudrais aller un petit peu plus loin dans l'analyse avec vous, mais je pense que pour le but, le message est passé. Et lorsque je retourne sur ma page d'accueil, je vais aller dans Spider Practice. Et dans Spider Practice, j'ai un module qui va me permettre d'entraîner et de mettre tous les coups à l'entraînement en place. Putting, approche, fer, voie de parcours, mise en jeu, je peux tout faire avec. Et donc là, je vais sur le putting. Je vais lui demander de faire par exemple 10 balles. Au niveau des distances, on a dit que c'était entre 3 et 6 mètres. Et par contre, je vais mettre les pentes gauche-droite et droite-gauche. Et une fois que je fais start, maintenant, il va devoir trouver le putt de 5 mètres avec une pente latérale de 5% droite-gauche. Donc, avant de putter, il va faire un travail de lecture de green. Ce travail, il va pouvoir le faire lui-même. Il a une barre de pourcentage en bas qui va lui indiquer comment il se débrouille. Et ce qui est bien, je vais vous accélérer ça. Il a terminé son test. Il a l'analyse du test avec le détail de tous les coups. Il a sa performance en pourcentage rentré. Et là, il y a 90% de lecture. Donc, il a progressé. Et moi, je me reconnecte dans ma communauté. J'ai une push notification comme quoi il a terminé l'exercice. Donc, je retourne sur son dashboard. Et lorsque je vais dans l'exercice, ah bah là, étant donné que je suis connecté avec vous, je peux pas. Il faut que je remette le téléphone. Mais ça me permet d'avoir la possibilité de regarder son exercice via mon application. Donc là, Voilà un petit peu une analyse et un entraînement personnalisé qu'on pourrait faire en utilisant Spider. on sent que Cédric maîtrise tout à fait son sujet et qu'il a été un tout petit peu rapide dans tout ça, mais c'est l'objectif aujourd'hui. Oui, c'est juste L'objectif pour vous donner une aujourd'hui, idée. c'est de globaliser et de vous prouver l'intérêt des stats. Et là, je trouve que Cédric l'a parfaitement fait. Il n'a pas eu besoin de passer 4 heures à détailler pour l'instant les stats de Paul Barjon en 2 minutes, 3 minutes. Il a constaté qu'il y avait un problème de lecture, que son putting était un des compartiments qui était les moins performants, que le gap wedge n'allait pas tout à fait. Est-ce que là, le gap wedge ne va pas? Plein de solutions. Ça peut être effectivement la mécanique, ça peut Bien être sûr, bien le sûr. club qui ne va pas, donc le fitting. Il y a plein je dirais, de causes à ce problème de performance. Mais en tout cas, on sait que là, il y a quelque chose à travailler. Donc moi je trouve ça absolument génial et j'insiste, c'est valable pour tout le monde. Est-ce que, alors on n'a pas prévu ça Cédric, j'espère que tu m'en voudras pas, j'espère pas te mettre est-ce que tu peux nous montrer la même chose avec un amateur? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors attendez, je me reconnecte. Cédric, j'ai juste une remarque, on remercie, vous êtes extrêmement nombreux à nous regarder, donc on apprécie. Tout le monde sans exception dit que Spider Golf est fantastique, on a qu'une Merci beaucoup, petite c'est gentil. problématique, c'est que beaucoup, beaucoup nous demandent effectivement pour une version Android. C'est marrant, c'est la première fois que je l'entends. Ouais, on se doute. Non, 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 non. On travaille dessus, on travaille très fort et d'ailleurs on prépare une petite surprise très bientôt. Déjà un update qui va arriver pour Spider qui devrait satisfaire les utilisateurs, mais surtout une V2 qui va sortir avec Android. On va faire tout d'un coup et ça va être intéressant. Donc s'il vous plaît un peu de patience, ça va bientôt arriver sur le marché. Question Mais intéressante, merci en tout cas de votre intérêt. parce que je sais que tu es aussi sur Oui. ce sujet-là, Cédric, de Charles Dubois, Oui, oui. qu'on connaît bien. Oui. Bien sûr. Hello Charles.
Salut messieurs, comment faire pour un joueur 5 d'index pour se comparer aux autres 5 et moins d'index? Je pense que tu es aussi, alors c'était pas, on ne devait pas trop en parler aujourd'hui, mais Cédric est Si, sur le si, sujet si. aussi de pouvoir justement avoir ce qu'il appelle des benchmarks. Je vous propose là aussi, c'est pas, on a déjà fait 36 minutes de live et on a plein de choses encore à vous expliquer. On va en faire un deuxième parce qu'on sent l'intérêt que ça a pour vous. Et je pense que le deuxième live qu'on fera avec Cédric aura l'intérêt de rentrer un peu plus dans l'entraînement. Pour répondre, merci Guillaume, pour répondre à la question de Charles, elle tombe à pic étant donné que ça fera partie du prochain upgrade qui sera disponible soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, mais en tout cas très bientôt avec les benchmarks et on pourra donc comparer par niveau de joueur où vous vous situez, notamment avec le Strauss Gain et les autres data. Excuse-moi, Voilà. je te coupe encore parce qu'une autre question Oui. pertinente Oui. d'Alexandre Dinko toujours. Comment Vas-y. analyses-tu la mauvaise lecture? La mauvaise lecture. Il faut voir ça avec le joueur, c'est très personnel. Si on connaît son joueur, je parle d'un point de vue de coach, hein. Si on connaît son joueur, il faut d'abord savoir ce que lui identifie comme mauvaise lecture. Idéalement, la meilleure définition d'une mauvaise lecture, c'est la balle n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire ou ce que vous aviez anticipé qu'elle allait faire lorsque vous l'avez putté. Et ça n'a pas été à cause d'un problème technique. Si effectivement vous faites un gros pull ou un gros push, ça va changer la lecture que vous aviez anticipée. Mais si vous l'avez putté correctement et la balle, vous sentez, n'a pas réagi sur le green comme vous l'aviez anticipé, alors que ce n'est pas la faute du green, soit à cause de l'herbe, soit à cause d'un pitch mark, soit à cause. Là, dans ces cas-là, c'est un problème de lecture. Mais c'est vrai qu'il faudra toujours faire le ratio entre c'était un problème technique, je ne voulais pas qu'elle parte là, ou je ne pensais pas qu'elle allait faire ça, ou alors c'est tout simplement le green que j'ai mal lu. Non, là, pour le coup, je me suis trompé. C'était pas 2%, c'était 3% ou 4%. Et là, ce sera plus facile. Donc, pour répondre simplement à ta question, même si elle n'est pas si simple que ça, c'est j'avais anticipé une forme et j'avais vu une forme dans les yeux que la balle allait prendre. C'est pas ce qu'elle a fait. Je considère ça comme une mauvaise lecture. Ok, ça répond bien à la question, très bien à la question. Guillaume, si tu, ouais, Guillaume, si tu veux rajouter quelque chose, Non, non, n'hésite non, pas. non, effectivement, la question d'Alex est très pertinente. Est-ce que c'est une faute mécanique ou est-ce que c'est une faute de lecture? Il y a un autre moyen aussi, ça c'est pour les joueurs qui utilisent le trait sur la balle. Tu rebondis Cédric là-dessus si tu es d'accord ou pas. Les gens qui utilisent le trait Oui. sur la balle, si on voit que le trait a parfaitement roulé, ça veut dire que la mécanique était bonne, que la visée en général était bonne, et ça donne un retour sur le côté mécanique qui devait être juste. Et si effectivement la balle ne rentre pas, ça peut être la lecture, oui, ça peut être aussi, on le sait très bien, la vitesse, mais ça peut permettre une toute, je dirais, de mettre de côté l'aspect en tout cas technique et mécanique. Si la balle roule bien, on sait qu'il y a eu pas mal de choses mécaniquement qui étaient correctes. Après, je vous dis, pour rentrer un pote, il y a beaucoup de facteurs, mais ça peut en tout cas mettre le côté mécanique de côté, selon moi. Exactement, exactement, exactement. Tu as tout à fait raison. On m'a demandé un exemple d'un amateur. Ben là, pour le coup, une amateur que je coach, très motivée, très investie, elle suit Spider à fond et elle a fait du très, très bon travail. Et là, pour le coup, 11 de handicap. Et Super, parfait, parfait. la première chose qu'on peut voir, c'est 20% de green en aigu. Donc 27% de green en aigu. Malheureusement, c'est pas assez et ça va déjà la pénaliser et mettre un petit peu de pression sur son petit jeu. Et dans le petit jeu, on voit qu'elle a une dispersion de 4,90 m sur tous les coups qui sont en dessous de 30 mètres. Là aussi, manque un peu de précision, manque un peu de performance. Et elle a 16,6 coups perdus. Alors, les coups perdus, c'est intéressant. J'aimerais qu'on en parle parce que c'est ce que j'appelle le spider score. Et le spider score, c'est un score, c'est un chiffre que vous pouvez enlever de votre score en situation optimale. C'est-à-dire, si vous n'avez plus de pénalité, si vous perdez plus les balles dans l'eau, si vous ne les dropez plus, si vous faites plus de recovery, si vous, lorsque vous ratez un, si vous, lorsque vous faites un coup d'approche vers le green, vous faites plus de la moitié de distance que vous aviez normalement anticipé. Lorsque vous faites une approche, vous ne faites pas une approche derrière. Lorsque vous faites un trois putt ou lorsque vous ratez un petit putt d'un mètre. Tous ces coups-là, c'est l'algo qui sera calculé pour les coups perdus. Et là, je regarde qu'elle a 16 coups perdus. Donc, elle est, excusez-moi, Pas de souci. elle est 11 d'handicap et elle a 16 coups perdus. Donc ça vous donne déjà, et on parlait tout à l'heure du prépa mental, ça vous donne déjà un petit peu de l'optimisation de la routine, optimisation du process et comment faciliter, comment grappiller des points très facilement et très rapidement, juste avec ça, sans pour autant regarder les stats en détail. Donc ça peut déjà être une information intéressante. Comme je vous ai dit, au niveau de l'attaque de green, bah, c'est son plus mauvais compartiment.
On l'a vu tout à l'heure avec les 20%, et elle ne touche pas à ces greens. Et on est en train de travailler avec ces fers. Après, si on veut regarder un petit peu plus les fers, on va avoir une dispersion qui va être un petit peu court parce qu'elle a du mal à les toucher. Et donc, on voit ça un petit peu partout. Donc, voilà comment on peut regarder. Mais encore une fois, ça vaudrait vraiment le coup de faire un live et de se concentrer sur les niveaux de joueurs et les tendances et les benchmarks pour aller un petit peu plus loin. Mais ça vous permet déjà d'analyser rapidement sur un élève qui a 11 d'handicap et qui pourrait voir très rapidement où est-ce qu'il doit concentrer son travail. Super, extrêmement. Je fais rapide, mais Non, bon, non, si ça mais peut donner une info, déjà c'est bien. c'est tout à fait l'objectif aujourd'hui, c'est que les gens qui nous regardent prennent conscience que ça va les aider à mieux jouer, aussi simplement que Bien ça. sûr, Et bien là, tu sûr, l'as bien montré, sûr, que ça soit bien Paul sûr. Barjon qui joue sur le Korn Ferry Tour, que ça soit. Non, qui joue. Oui, sur le Korn Ferry Tour, Paul Barjon, je ne sais plus. Et Ouais, quand ton fait. index et ton élève qui est 11 d'index, en 3 minutes. Tu peux détecter quels sont les points forts, les points faibles et où se concentrer et où doit se concentrer le travail. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait mettre en avant. Bien évidemment qu'on fera un autre live, c'est obligatoire maintenant, tout le monde le constate, sur peut-être par niveau, jouer en dessous de 80, 90 et 100 si ça Bien te va. sûr, bien Est-ce que tu sûr, peux nous en bien dire un sûr. tout petit peu plus sur les joueurs professionnels maintenant? Le tour. Alors, deux, trois choses que j'aimerais dire sur les joueurs du tour. Et Guillaume, pourquoi pas faire un échange avec toi, parce que je sais qu'aussi tu es très proche d'eux, notamment avec Cameron et Jordan. Pour une chose que je trouve très importante sur le tour, c'est la puissance. Les joueurs du tour sont extrêmement puissants. Pas forcément sur la distance, c'est-à-dire la longueur du drive, parce qu'il ne faut pas seulement associer la puissance à la distance, mais surtout la puissance. La puissance, c'est générer suffisamment de vitesse pour pouvoir soit taper loin, mais soit se sortir des situations compliquées. Par exemple, un exemple concret. Statistiquement parlant, un joueur du tour va prendre 60 à 62% de fairway. Très bien, mais il y a encore 38 à 40% de rough. Le rough du tour, on est bien d'accord que ce n'est pas le même rough qu'on va jouer lorsqu'on est en train de faire la compète du dimanche. Ça, c'est une certitude. Et si vous n'avez pas de puissance et si vous ne pouvez pas générer suffisamment de vitesse, la dispersion que vous allez avoir, même avec un fer 5, un fer 6 ou un fer 7, va être drastiquement différente que si vous étiez sur le fairway. Donc, on va avoir des stratégies qui vont jouer et qui vont changer par rapport au parcours et par rapport au niveau de jeu à cause justement d'une préférence ou d'un point fort qu'il faudra mettre en avant. Donc là, pour moi, la puissance est un élément essentiel si quelqu'un veut réussir à jouer sur le tour. Guillaume, est-ce que tu es d'accord avec moi? Absolument, et je pense que la meilleure stat est la stat que l'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux qui montre que les 10 meilleurs joueurs du monde sont les 10 qui gagnent quasiment le plus d'argent. Donc oui, bien évidemment, je suis 150% d'accord avec toi sur le sujet de la puissance et les stats le prouvent une fois de plus. En fait, les stats, rebondis vers autre Exactement. chose, les stats Ben c'est ça, prouvent tout à fait. toujours la vérité. Donc oui, bien sûr, la puissance est quelque chose d'absolument fondamental. Maintenant, elle est fondamentale, mais elle n'est pas déterminante. Une statistique a été menée pendant ces derniers mois aux États-Unis, comme quoi les 3 dernières années, les facteurs, donc c'est pour la répartition en pourcentage des facteurs qui ont déterminé la victoire d'un joueur sur le tour. Et les deux facteurs qui sont les plus importants, c'est les approches vers le green, donc les coups de fer, et le putting, à 30% tous les deux. Donc tous les deux réunis sont majoritaires. Driving, approche et les longs coups, ça va se partager les 35 ou les 25 autres pourcents. Donc le plus important, attaque de green et putting. Et pourquoi je rebondis là-dessus? On parlait de la distance tout à l'heure au driving. Bah, Sergio Garcia, on l'adore, il tape très très loin, il tape très très droit, et c'est d'ailleurs le leader aujourd'hui, Strauss Gain, of the tee, donc du départ, mais malheureusement, il est 160e, si je ne me trompe pas, je vais regarder les chiffres, je pense que c'est ça, 160e au scoring. Pourquoi? Parce qu'il est 120 putting et 130 en approche. Donc oui, taper fort et droit, ça sert, mais c'est pas ça qui va être déterminant pour le score, et d'ailleurs, je me permets aussi de faire une petite parenthèse, les statistiques de Spider m'ont permis d'analyser que le coup le plus important lorsque vous jouez au golf, c'est le coup qui vous approche sur le green. Donc, c'est le coup qui va vers le green, indépendamment de la distance. Bien évidemment, si vous êtes un bon joueur, ce sera le plus tôt possible et ce sera une distance un peu plus importante. Mais si vous êtes un joueur moyen, ce sera un coup qui lui sera de 50, 60, 70 mètres. C'est ce coup-là qui sera le plus important et va déterminer la performance de votre score. Sur le green, c'est le premier putt.
Donc vous réussissez votre coup d'approche sur le green, vous réussissez votre premier putt, il y a de grandes chances que la performance soit optimisée ce jour-là. Petite parenthèse là-dessus, mais on pourra encore en reparler. Donc là, on va aller sur, par exemple, Rory. Ben, Rory McIlroy, il est en train de leader le scoring cette année. Pourquoi? Parce qu'il est, je vous donne des chiffres exacts, c'est pour ça que je regarde les chiffres. Il est troisième approche de green. Il gagne 1,216 points sur le reste du champ. Il est seulement 90e putting, mais il est quand même positif. Il va seulement gagner 0,1. Donc, il gagne aussi sur le putting. Et au driving, il est cinquième, si je ne me trompe pas. Il est sixième. Sixième, troisième et même 90. Quoi qu'il arrive, ça suffit. Il va gagner en scoring et lui, il sera dans le top 10. Un autre qui est intéressant de savoir, c'est John Rahm. John Rahm, qui lui est dans le total driving, donc distance et dispersion, extrêmement bien placé dans le top 5 dans le Strokes Gain. Et il est également dans le top 5 putting. C'est aussi pour ça qu'on le voit très souvent, si ce n'est toutes les semaines, dans le top 10. Et il va commencer à grappiller et s'approcher du numéro 1 mondial très rapidement. Donc voilà un petit peu pour les stats Strokes Gain du PGA Tour. Oui, le plus important, c'est les approches vers le green et le putting. Mais je pense que vous l'avez tous réalisé. Il y a un vainqueur différent quasiment toutes les semaines. Pourquoi? Ben, pourquoi? Tout simplement parce que chaque golfeur a des caractéristiques différentes, des préférences différentes, des points forts différents. Et donc, lorsqu'ils vont jouer un parcours, bah, il y aura un parcours qui va s'y prêter et un parcours qui sera plus délicat. Il y a des personnes qui aiment bien jouer dans les links, il y a des personnes qui aiment bien jouer au contraire dans la forêt parce qu'ils vont optimiser la précision et le target playing. Donc, il y a plein de choses qui vont jouer par rapport au champ, par rapport à la structure du parcours. Et après, on peut aller même plus loin, par rapport à la dureté des greens, par rapport à l'emplacement des drapeaux, par rapport à tout ce qui va mettre en place les points forts ou les points faibles. Et donc, on peut avoir des gens qui vont swinger différemment, oui, mais qui vont jouer aussi statistiquement différemment. Et c'est pour ça que tout le monde ne gagne pas tous les ans. C'est là où on voit maintenant, en rétrospection, la suprématie de Spieder dans ces années 2000, où il, De pardon, Tiger. la suprématie de Tiger, merci, dans ces années 2000, où il arrivait à gagner quasiment, pas toutes les semaines, mais il était très, très, très régulier. Là, maintenant, avec les nouveaux, les Wolf, les Hovland, les petits jeunes qui ont peur de rien, qui attaquent tout, qui sont beaucoup plus agressifs, qui vont chercher les mailles, ils vont chercher les birdies, bah forcément, ça mixe un petit peu et ça enlève la proba des vainqueurs. Donc voilà un petit mix sur le champ. Quand tu parles des stats, il y a un truc qui me vient tout de suite à l'esprit. On sait que la fameuse paire incroyable qui nous a tous fait vibrer au golf national, Molinari et Fleetwood, Mollywood, a été créée. C'est une paire qui a été créée par Thomas Björn uniquement sur des statistiques. Je pense que ça, c'est hyper Exactement. important de le mettre en avant. C'est que cette paire-là, qui a été une des révélations de notre Ryder Cup au golf national, a été créée uniquement par des stats. C'est-à-dire, on sait que Thomas Björn, c'est entouré de statisticiens, de data analystes pour cette Ryder Cup, qui l'ont aidé principalement dans les choix des foursomes. Et comme par hasard, c'est une paire qui a absolument, on va pas dire bien fonctionné, c'est au-delà de ça, et c'est une paire qui a été créée, on Exactement. le dit, uniquement par des statistiques. Donc c'est une fois de plus une preuve comme quoi les stats ne mentent pas. Bien sûr. Donc ça, c'est une chose intéressante. Deux remarques que j'ai trouvées assez pertinentes. Une première d'un de nos fidèles qui nous suit énormément, un de nos fidèles, je dirais, auditeurs, Sébastien, il faut juste que je déplace ça, excusez-moi, Sébastien Duftel qui nous dit Spider Golf, c'est comme un 15e club dans le sac. Je trouve que ça résume bien, que Exactement ça ça. résume bien. Et une autre chose que j'ai aimé beaucoup de Eagle Bob Daly, qui nous dit, il faut que je retrouve, excusez-moi, je remonte, mais j'ai trouvé ça pertinent, Spider Golf, Ed Spider-Man, si vous voulez, Eagle Bob Daly, aucun problème. Mais je voulais rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est hyper important. Et si tu peux en parler un tout petit peu, ça va m'intéresser. Il nous dit, Spider Golf aide beaucoup pour prendre stratégie de jeu pour amateurs et pros, surtout sur la distance du coup et choix du club. Je rebondis là-dessus parce que depuis tout à l'heure, on parle de Spider comme, allez, on va dire des outils d'analyse, comme une aide à l'entraînement. C'est aussi, et ça je suis tout à fait d'accord avec cette remarque, ça aide à vous connaître. C'est-à-dire ça aide bien évidemment à l'entraînement, mais maintenant, grâce à cet outil, si vous faites vos stats, ça va vous permettre de vous connaître, de savoir exactement où en est votre jeu. Donc pour la stratégie, évidemment, hyper important et hyper pertinent de savoir que
bah, peut-être qu'avec le fer 7, on a une petite tendance à aller à droite. Et que on le sait, certes, on le corrige avec son Eh ben. pro PGA dans son club, on fait en sorte d'être bien fité, parce que peut-être que le fer 7, et c'était une remarque de Laurent Poncelet tout à l'heure, on détecte aussi avec les analyses qu'il y a certains clubs qui sont peut-être pas tout à fait fités comme il faut, mais on met ça pour l'instant de côté. Mais en tout cas, ça nous permet de connaître nos tendances. Et ça, c'est super important pour la stratégie que de connaître nos tendances. Si on sait qu'on fait ça, ça ou ça, on s'adapte sur le parcours. Donc bien évidemment que c'est une remarque qui est hyper pertinente et je pense, Cédric, je vais te laisser rebondir là-dessus, mais qui est absolument génial, c'est que les outils d'analyse nous permettent d'adapter notre entraînement, mais surtout, surtout de nous connaître de manière objective. C'est exactement ça, et j'ai voulu le garder et le mettre en avant dans l'application, et c'est ce que je vous démontre là. Donc, par exemple, si vous donnez l'information à l'application que vous êtes dans le rough, que vous êtes à 140 mètres du drapeau, vous avez un petit bouton en bas à droite qui est Spidey. Spidey, c'est votre caddie interactif. Et lui va sortir tous les shots que vous avez déjà tapés à cette distance dans ce lie. Et donc là, je sais que j'ai une tendance un petit peu courte, avec un mal touché qui est très court à droite. Et donc, je vais pouvoir prendre cette information en compte et du coup réadapter ma cible, ce que j'appelle la cible dynamique, lorsque je vais jouer sur le parcours. Et vous avez ça sur toutes les distances et vous avez ça, bien évidemment, sur tous les lies. Donc Voilà, ça. petite parenthèse. Très bonne remarque, en tout cas. Merci. Ouais, c'est vraiment c'est très important parce que je pense que l'appli a vraiment le but, a vraiment ce but-là de vous connaître. Je réinsiste là-dessus et sur ce mot, mais de C'est savoir ça. quelles sont vos C'est ça. tendances. On a beaucoup, beaucoup de questions. Je ne sais pas comment on va faire pour tout y répondre. Un caddie dans la poche, alors? Absolument. C'est à la fois un caddie, C'est à la ça? Tout à fois. fait. C'est à la fois, vous êtes dans votre poche parce que vous allez apprendre à vous connaître et vous allez pouvoir adapter vos entraînements. J'insiste énormément, énormément là-dessus. Mais voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est important de. On a un caddie qui est avec nous sur le parcours, mais aussi, on a aussi un caddie qui est avec nous pendant l'entraînement. Que ce soit sur le parcours ou en train de faire un drill, que ce soit sur le putting, les approches ou au practice, le caddie est toujours là. L'intelligence va toujours enregistrer les datas. Ces datas peuvent être partagées soit avec votre coach, soit avec vous-même si vous voulez regarder a posteriori. Mais quoi qu'il arrive, vous avez un réseau, vous avez une base de données, vous avez un ordinateur géant qui vous suit et qui enregistre toutes vos datas. Donc, dans le long terme, il n'y a pas de meilleure façon d'enregistrer les coups. Et il n'y a pas de meilleure façon de pouvoir analyser un jeu concrètement en mettant les émotions de côté, même si elles sont importantes, bien évidemment, mais là, pour le coup, on est sur du concret, sur de la structure numérique, pour pouvoir analyser un jeu de golf. Yes. On a une question. Je pense qu'on va finir, Cédric, si tu es d'accord, avec. Il nous reste une bonne dizaine de minutes, voire un peu plus. Nous, on a du temps, je Sûr, pense que vous aussi, mais sure. on a Bien beaucoup de sûr. questions, donc je pense que c'est intéressant d'y répondre. Question de Frédéric Allez. Gras. Est-ce que cette application peut être utile pour un enfant ou trop compliquée à gérer? Elle a 13 ans et 11 d'index. Je vais te laisser répondre, Cédric, mais je veux bien commencer la réponse. Absolument pas. C'est au contraire. Elle a 13 ans, elle est 11 d'index, donc pour son âge, elle joue formidablement bien et on la félicite. Hyper important, dès le plus jeune âge, de savoir où on est bon et où on n'est pas bon. Après, de donner l'appli à votre fille, qu'elle regarde et qu'elle s'y perde, bien évidemment, non. L'objectif, c'est de le faire, bien évidemment, de la gérer avec un enseignant. Ou vous, si vous connaissez un petit peu les stats et vous allez pouvoir, ça va pouvoir vous permettre de là aussi d'en parler aux pros. Mais le mieux, c'est bien évidemment, on se doute qu'elle a 13 ans en d'index, qu'elle est suivie par quelqu'un. C'est absolument d'être en relation avec son enseignant et que son enseignant puisse avoir accès à ses datas et puisse savoir où elle est compétente et moins compétente. Mais bien sûr que oui, il faut que vous le fassiez, même pour les plus jeunes. Surtout quand on joue, je me répète, aussi bien, aussi jeune, mais sans lui donner à elle et lui dire, ben, vas-y, va passer 2 heures à regarder les 265 stats, elle va avoir mal à la tête et elle va être perdue. Donc non, oui, vous devez le faire, mais vous devez, entre guillemets, le faire pour elle. Cédric, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je gère avec les jeunes dont on s'occupe ici au Golfe du Vaudreuil, c'est oui, les stats, mais, entre guillemets, laissez-nous faire. Exactement. Et d'ailleurs, je rebondis sur un point. T'as quasiment tout dit, Guillaume. Mais il y a effectivement un point qu'on peut mettre en avant, c'est le rôle du parent. Et c'est vrai qu'il a du mal à être trouvé de temps en temps avec le suivi d'un enfant. Et donc là, pour le coup, ça peut être un rôle très intéressant parce que le père ou la mère peut prendre l'appareil dans les mains, peut enregistrer les datas, suivre la performance et le faire dans le background sans intervenir et en même temps partager les datas avec le coach. Donc c'est un petit peu l'assistant parfait qui s'occupe des datas. Donc ça peut être un bon placement, ça peut être une bonne intégration.
Après, comme a dit Guillaume, le faire le plus tôt possible. Comme il y a les deux parties, la partie rapide et la partie pleine, et la partie, mais avec son 11 d'handicap, je lui conseillerais vraiment d'aller sur la partie complète. Elle va se régaler, il y aura énormément d'informations qui vont en sortir. Mais oui, il faut qu'elle s'habitue à le faire, il faut qu'elle prenne l'habitude, et de toute façon, c'est fun. Et quoi qu'il arrive, elle en aura besoin plus tard. Donc autant se familiariser le plus tôt possible aux statistiques et à la plus-value des statistiques, que ce soit en autonomie, si elle travaille juste avec vous, ou alors avec son coach. Oui. Un grand oui, un grand oui. Moi, j'insiste sur le grand oui. Un grand oui. Un oui indispensable. Un Bah, oui le problème, c'est qu'ils indispensable. le font tous. Hein, ils le font tous et c'est un petit peu comme les joueurs pros, ce sont des Formule 1. Et les F1, ils veulent absolument avoir le petit truc en plus qui fait qu'ils vont mettre l'argent sur la table et ils vont gagner. Bah, c'est un petit peu pareil. Ils le font partout dans le monde. Ce serait dommage de se mettre derrière et de ne pas les exploiter parce que les autres le font et c'est une vraie plus-value. Voilà, on a un message de Frédéric Docher qu'on salue, qui travaille avec beaucoup de jeunes en Hello, Fred. Suisse, un très très bon coach, et il le dit, j'ai des jeunes qui l'utilisent à 12 ans déjà, donc oui, moi aussi j'ai beaucoup de jeunes qui l'utilisent très tôt, et il ne faut vraiment pas hésiter, bien évidemment, que ça soit quelqu'un de plus âgé qui gère et qui leur montre exactement où sont les points forts et les points faibles pour faire simple. On a plein de questions, on continue. Tout à fait. On répète parce qu'il y a des gens qui viennent de nous rejoindre, Cédric. Donc l'application, c'est SpiderGolf, Oui. application de stats Oui. complètement française, faite par un Français, gratuite, une partie gratuite, une partie payante 60 euros par an, donc 5 euros par mois. On répète, extrêmement pertinente et intelligente, qui vous aideront à progresser. Je me répète pour les gens qui viennent de nous rejoindre, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire les stats? Tout simplement parce que ça va vous donner des données objectives sur ce que vous faites et vous allez mettre de côté le contact de balle, plein de choses. Ça va vous dire là où vous avez des failles. Et je vous encourage à re-regarder pour ceux qui viennent d'arriver ce live qui est, à mon avis, aussi intéressant qu'une bonne leçon de golf. D'autres questions? Bien évidemment, toujours sur la version Android. Mathieu Droulès, pardon, peut-être. Mon fils a 12 ans et 5 d'index. Bravo, il a hâte d'avoir ses stats sur l'appli. Bah écoutez, Ah, super, super, on est super. J'ai ravis. hâte de l'avoir dans la communauté. Ouais. Alors, je sais pas comment on peut avancer cette remarque, Cédric, qui est très intéressante, de Philippe Pépère. Pas facile de tricher dans ce cas, sinon on se ment à soi-même. Alors, je vais me permettre, avant de te laisser Exactement. répondre, oui, bien évidemment que si sur l'appli, vous racontez que vous avez le green en régulation tandis que vous ne l'avez pas, que vous racontez que vous avez drivé à 350 mètres et que vous n'avez pas drivé à 350 mètres, c'est sûr que les données vont être faussées et qu'elles n'ont plus aucun intérêt. Enfin, je vais être super clair sur le sujet, c'est de la remplir la plus objectivement possible pour qu'elle ait un intérêt. Ça n'aura absolument aucun intérêt si les données sont faussées. Donc Philippe, on est tout à fait d'accord, pas facile de tricher dans ce Ouais. cas-là. Si, vous pouvez tricher, mais l'application n'aura pas Bien sûr, d'intérêt. c'est ça. Ouais. Je vais être un petit peu plus grossier que Guillaume. L'application met à poil tout le monde. Elle met le joueur à poil, elle met le coach à poil. Pourquoi le joueur? Parce qu'on va le savoir tout de suite s'il a triché. On va le savoir tout de suite si les datas sont fausses et le coach connaît très bien et il sait très bien ce qui se passe. Et pourquoi ça met le coach à poil? Parce que maintenant le coach doit étudier les datas et doit surtout mettre des entraînements personnalisés en place, constructifs, et il n'y a plus aucune raison que ça n'avance pas. Donc si le progrès n'est pas là, il y a des questions à se poser, soit dans l'investissement du joueur, soit dans l'investissement du coach. Et ça responsabilise tout le monde. Donc oui, ça met un petit peu, ça met à corps ouvert la performance des deux facteurs. Tout à fait. Question de Valentin. Qui j'espère est une bonne chose. Ah bien sûr. Quand on dit la vérité, c'est toujours bien. Question de Valentin Després, qu'on bien évidemment on salue, un ami, quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux. Au bout de combien de Yes. parties l'appli devient-elle pertinente? Ah, très bonne question, très très bonne question. Tout dépend de votre niveau de jeu. Si vous êtes plutôt quelqu'un de très agressif, qui prend beaucoup de risques, dans ces cas-là, j'aimerais aller jusqu'à 7 à 8 parties dans les mêmes conditions météo pour D'accord. avoir quelque chose de fiable. Maintenant, si vous êtes quelqu'un d'assez conservateur, d'assez régulier, je pense que 5 parties, 4-5 parties devraient suffire pour déjà avoir une bonne trame. Mais j'insiste sur le fait de les faire dans les mêmes conditions météo. Étant donné qu'on a la possibilité d'entrer les conditions météo, que ce soit le vent, la vitesse du green ou s'il pleut, c'est important d'avoir les parties qui sont en relation les unes avec les autres. Et après, quand on en aura plusieurs, de les comparer les unes entre les autres. Super. Bien évidemment que cet outil est aussi, je dirais, un outil de validation
Tu parlais de comparaison. Pour moi, c'est ce que je trouve absolument génial aussi, c'est de voir dans le temps qu'est-ce qu'on a fait quand on a bien joué, qu'est-ce qu'on a sûr. fait quand on a moins bien joué, Bien sûr, bien sûr. et là où on se situe. D'autres Exactement. questions? Toujours, parce qu'on a pas mal de questions sur les jeunes, Cédric, hein. Une question de Laurent Poncelet. J'ai des enfants qui l'utilisent, franchement, aucun problème, sans rentrer dans les chiffres. Les codes couleurs et graphismes parleront d'eux-mêmes. C'est là justement où Spider-Golf est révolutionnaire Super. par rapport à ça. On le sait très bien, c'est une appli qui est super ludique et que tout le monde peut utiliser. Commencer simplement avec la version gratuite et basculer sur le premium, excusez-moi, je vais un peu Sûr. vite, est une bonne stratégie pour se familiariser avec les stats et leur analyse. Donc toujours pour les jeunes, bien évidemment que c'est une appli très ludique et très visuelle. Donc voilà. Allez, on a quelques questions. Avant quelques questions, est-ce que j'ai envie de savoir ce que vous pensez, les gens qui nous regardent là, est-ce que ça vous donne... Allez, on va mettre de côté Spider-Golf. Est-ce que ça vous donne envie de faire vos stats? Oui, non. Est-ce qu'il y en a qui sont toujours pas convaincus? Et à la limite, c'est pas grave. Est-ce qu'il y en a qui sont convaincus? Est-ce que ça vous permet de comprendre l'intérêt de faire les stats? Oui ou non? Juste une simple question pour voir si et puis pour voir autre chose. Est-ce que Cédric va revenir nous voir ou pas? Si vous trouvez ça pertinent, bien évidemment, on va l'inviter. Mais pour nous, ça nous paraît hyper logique, en tout cas. Que ce soit pour moi ou au Journal du Golf, de mettre en avant l'intérêt de se connaître. Et c'est l'importance des stats. Elisabeth, non, toujours pas de stats? Bon, Elisabeth, une aussi bonne joueuse. Ça donne envie de jouer surtout. Laurent, on est d'accord avec toi, ça, on n'y peut rien pour l'instant. Oui. Oh que oui, les stats sont honnêtes. Tout à fait d'accord. Philippe PPR, oui. Sébastien, carrément. Jean-Luc, oui, je le charge dès que vous avez fini. Je viens de télécharger l'application. Génial. Et je vous Super, dis, Elisabeth, oui, très intéressant, mais compliqué pour moi. Elisabeth, pas du tout. La prochaine fois qu'on se verra, super. on prendra un petit moment et on Je discutera pense de l'intérêt que ça peut que je avoir. connais Elisabeth, exactement. Exactement. D'ailleurs, Allez. je rebondis là-dessus. Il y a un webinaire gratuit et ouvert à tous ce jeudi J'allais en à parler. 3 heures. Ah bah très bien. Eh ben, je t'en prie, fais la transition. Non, aucun problème. Donc voilà, je mets ça. Pareil, vous voyez qu'on est assez ouvert sur le sujet. C'est gratuit. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont été gratuites. C'est pour ça que c'est important pour moi. Cédric est venu aujourd'hui en tant que data consultant. Même pas, et c'est ce qu'il a voulu mettre en avant tout à fait objectivement, pas tellement là pour Spider-Golf et pour vendre quoi que ce soit. Mais on est obligé d'en parler en même temps. Même là, il est dans cette démarche, comme beaucoup d'enseignants maintenant en France, et c'est génial de vouloir partager. Donc si vous souhaitez, jeudi 16 à 15h, Cédric fera une démo et rentrera encore un peu plus dans les détails. Là, ça sera vraiment Spider-Golf. Comment on fait, Cédric? On t'envoie un email? Il y a un lien, voilà. Alors il y a un lien Zoom que je vais partager. Je ne sais pas si tu pourras le communiquer et je ne sais pas s'il est Bien sûr. cliquable. Il est assez facile à mettre en place dans l'URL. Donc le lien Zoom est à communiquer. Ou sinon, envoyez-moi un mail à media@spidergolf.fr et comme ça je vous enverrai le lien directement si vous souhaitez procéder de cette manière. Et donc comme je vous dis, ouvert à tous, je vais expliquer l'application avec toutes ses fonctionnalités, comment l'utiliser, que ce soit pour un joueur comme pour un coach. Comment prendre un plein profit, que ce soit de l'entraînement comme du jeu sur le parcours, et être sûr que vous arriviez à même s'il y a un tuto qui est disponible, un tuto en français, même si les tutos sont en anglais dans l'appli lorsque vous allez la télécharger, il y a des tutos en français disponibles sur le site. N'hésitez pas à aller voir. Et même si les tutos sont là, je pense que c'est important que je me plonge un petit peu avec vous et que je vous explique les petits recoins et comment optimiser l'appli. Donc, je fais ça avec plaisir cette semaine. Je le referai encore la semaine d'après. Et je fais juste passer un petit message pour les coachs. Qui sont à l'écoute. Il y a une certification que je prépare donc en français pour la semaine prochaine. Je donnerai les informations, je les passerai pour que vous puissiez les avoir. Et donc là, c'est vraiment non seulement bien utiliser l'appli, mais surtout l'intégrer dans votre programme de coaching, l'intégrer avec tous vos publics et comment optimiser votre coaching à travers Spider. Cédric, je ne peux pas te laisser partir tout de suite parce qu'on a une ou deux questions intéressantes toujours. J'ai très très faim. D'accord. Première des choses, on a des gens qui nous disent jeudi je travaille, télétravail. Il y en a encore qui travaillent et on vous remercie d'ailleurs pour ça. Est-ce que le webinaire sera enregistré? Oui,
Oui, il sera enregistré et oui, je vais en refaire un autre. D'accord. Donc, très bonne remarque, effectivement, toutes les personnes ne sont pas confinées. Je vais reprogrammer déjà une autre date un petit peu plus tard et je vais également essayer d'enregistrer le premier, comme ça, quoi qu'il arrive, on trouvera une solution. Allez, 3-4 questions, je suis désolé, on en a plein. Une question super pertinente T'en d'Hervé prie, Moulin t'en prie. Ouais. qu'on salue. On peut l'utiliser en ce moment avec un tapis de putting. Est-ce que tu encourages? On fera une autre, Bien pareil, sûr. lors de l'autre live. On sait que tu as deux applications qui sont Spider Golf, mais tu as aussi Spider Putting. Est-ce que sur un logiciel de, est-ce que sur un tapis aujourd'hui on peut utiliser ton application? Bien évidemment, bien évidemment. On a juste besoin d'avoir un endroit où la balle doit s'arrêter. Et cet endroit, ce sera le milieu de la cible. Après, ça peut être n'importe quoi. C'est ça aussi la beauté de l'appli, c'est que ça peut être un trou de golf, mais ça peut être n'importe quel objectif que vous fixez. Vous pouvez être dans votre jardin et vous mettez un petit seau avec un petit œuf de Pâques, et ben vous touchez l'œuf de Pâques, vous le mettez au milieu de la grille, et comme ça, vous arrivez à avoir votre dispersion avec les approches. Plein de choses que vous pouvez faire. Oui, vous pouvez l'utiliser, et surtout maintenant, que ce soit pour évaluer vos stats et étudier un petit peu ce que vous avez déjà fait, ou soit pour commencer, et pourquoi pas avec un tapis de putting, ou si vous avez un jardin avec deux, trois approches. Génial. Yes. Donc, j'allais rebondir là-dessus, une question de Christophe Muller. Je vais la tester avec le simulateur. Bien sûr que oui. Encore mieux, encore mieux, étant donné que ça va deux fois plus vite. Et là, entre les coups, vous avez le temps de rentrer les datas. Donc, c'est presque l'utilisation parfaite lorsque vous êtes indoor avec un simulateur. Et se marie magnifiquement bien avec TrackMan, si vous en avez un. Je pense que pas mal de gens, pendant le live, on est monté jusqu'à 180 personnes connectées d'un coup. On vous remercie encore pour votre fidélité. Merci. Merci Joël beaucoup. Bruer, top, je viens de la télécharger. Pourquoi une application à part pour le putting? J'ai été sollicité par David Orr, l'ancien coach de Justin Rose, un coach de renommée mondiale, qui est venu vers moi et qui m'a dit, écoute, Spider Golf, c'est super, mais moi, je coach le putting. Est-ce que tu peux m'en faire une sur le putting? Et après réflexion, et 2 mois après, j'ai sorti Spider Putt parce que j'ai senti que c'était très pertinent de le faire, étant donné que la segmentation du coaching commence à arriver sur le marché. Il y a des coachs de putting, il y a des coachs de wedging, il y a des coachs techniques, et donc je voulais leur donner leur application. Donc je suis allé un petit peu plus loin avec l'application du putting. Il y a encore plus de fonctionnalités, encore plus d'analyses derrière, et elle arrive à répondre à leurs besoins. Voilà la raison. Ok, Cédric, ça va faire 1h10 qu'on est ensemble. On te remercie. Grand plaisir. On était. Honnêtement, on avait une liste de choses dont on souhaitait parler qui était 3 fois plus grande que ce qu'on a fait. Cédric, comme je t'avais dit, l'objectif pour moi d'un Facebook Live, c'est de vous faire participer. Vous êtes chez vous, vous avez Bien envie de sûr, parler de golf. On bien est sûr. ravis de pouvoir vous faire parler vous aussi de golf. Donc c'était vraiment notre objectif que d'échanger et d'avoir ces questions. C'est pour ça que notre liste assez importante, qui est extrêmement intéressante, n'a pas pu voir le bout. Clairement, on va refaire un autre live avec toi si tu es d'accord. On rentrera beaucoup plus dans les détails Bien sûr, avec plaisir. avec je dirais dans le vif du sujet, avec des cas précis, des cas d'études, pour vous permettre, vous, de vous plonger un peu plus et peut-être de vous identifier à certaines choses. Et on rentrera beaucoup plus dans les détails. Aujourd'hui, c'était pour globaliser l'importance des stats, de mettre en avant clairement aussi ton outil, parce qu'on ne va pas se raconter de bêtises. Il est génial, il est français, et ça serait quand même dommage de ne pas utiliser un truc qui est très pertinent, français, et qui sert à tous les joueurs français aujourd'hui professionnels l'utilisent. Donc c'est absolument génial. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à. Oui, on a été un peu vite par moment, c'est une évidence, mais parce que le sujet est vaste, on avait envie de vous faire partager plein de choses. Donc n'hésitez pas à le re-regarder. Vous savez que nos lives sont en replay sur la page Facebook du Journal du Golf. Merci encore pour votre fidélité. Cédric, si les gens veulent, entre guillemets, où est-ce que les gens peuvent te trouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, dis-nous tout. Réseaux sociaux, Instagram, Spider Golf App, Facebook, pareil, Spider Golf App, le site internet spidergolf.fr. Si vous avez besoin de m'envoyer un mail directement, media@spidergolf.fr. Et n'hésitez pas à me solliciter, que ce soit pour les lives, les futures formations. Si vous avez besoin d'informations, je serai toujours disponible, ou du moins, je ferai le maximum pour l'être. Allez, petit mot de la fin, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que c'est complètement,
parce que c'est pour complètement en relation avec la période. Merci, je vais regarder pour utiliser Spider Putting avec mon tapis Wellput. Vous cochez toutes les cases. C'est un bouquin. Merci beaucoup Magnifique, et à exactement. très vite. Merci Merci à vous, Cédric merci Journal du Golf, et merci Guillaume. Merci à tous. on reverra Cédric très rapidement pour rentrer un peu plus dans le sujet et pour faire des cas d'études précis. Merci à vous. Je vous propose de revenir à 14h avec Rémi Bedu et Jean-Philippe Prince qui vont parler d'Action Type, qui est comment on peut dire ça, Cédric? D'adapter votre swing en fonction de vos préférences motrices. Adapter, voilà, ou adapter les préférences motrices au swing de golf pour optimiser le jeu et peut-être accélérer la progression. Tout à fait. Exactement. Merci à vous, à très vite, bon appétit Cédric et à bientôt.